Je suis Tim de Space News. J'ouvre la 15e visioconférence de la série Les Galactiques 2024, dont le titre ce soir est Les Anunnaki, Enki et Enlil, une histoire inversée. Je rappelle que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres, transmise noir sur blanc et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre, Zen, conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, voilà donc 8 ans. Les archives terrestres présentent Enki et Enlil comme des personnages importants de la mythologie sumérienne et mésopotamienne antique. Enki est associé à divers aspects tels que l'eau et la sagesse, et il est souvent décrit comme une divinité bienveillante qui a aidé les Terriens en leur offrant la civilisation, l'agriculture et la langue. Enlil, de son côté, est associé à la puissance, à l'autorité et à la justice, et il aurait joué un rôle essentiel dans la création et la gestion de l'humanité. Certains contactés, dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux, insistent avec force sur le fait qu'Enki, qu'ils appellent aussi Ea, et Enlil sont des figures mythiques qui ont provoqué le déluge pour réinitialiser l'humanité. Ces contactés précisent qu'Enki serait encore vivant, qu'il vit sur le vaisseau Nibiru et qu'il est le grand sage qui aurait sauvé l'humanité. D'autres groupes de contactés racontent que Nibiru, appelé aussi planète X, serait le soleil d'un système stellaire qui comprendrait environ 30 planètes et qu'il serait en train de traverser notre système Sol 13. Aucun de ces contactés n'aborde les guerres destructrices sur Mars et Tiamat et la désintégration de cette dernière qui est la source réelle des déluges sur Vénus et sur Terre. Voyons ce que mes contacts extraterrestres en pensent. Ils disent que Enki et Enlil ne sont pas les noms de personnes ni de dieux. C'était deux groupes d'Égyptiens. D'un côté, d'anciens descendants de lignées draco-reptiliennes, et de l'autre, les descendants de Lyriens ou de Pléiadiens.